Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour lire un nouveau livre qui s'appelle La Visite. Élise avait peur de tout. Elle avait peur des araignées, peur des gens et même peur des arbres. Alors, elle restait à la maison tout le temps, jour et nuit. Et comme elle aimait que tout soit bien rangé et bien propre, elle faisait le ménage tous les jours. Parfois, elle ouvrait une fenêtre pour aérer la maison. Un jour, il se produisit un événement extraordinaire. Un objet étrange entra par la fenêtre et atterrit à ses pieds. Elle observa un moment avec méfiance. Ça ne peut pas rester ici, décida Élise, et elle le jeta au feu. Mais dans la nuit qui suivit, elle eut tellement peur qu'elle ne réussit pas à fermer l'œil. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte. Jamais personne ne frappait à la porte. Qui pouvait bien frapper? Élise ne voulait pas ouvrir, mais la personne n'arrêtait pas de toquer. Alors, elle finit par ouvrir et elle fut bien surprise. Où est mon avion? Demanda le garçon. Marmonna Élise. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Ajouta-t-il. Que dois-je faire? Se demanda Élise. Finalement, elle répondit. Les toilettes sont en haut de l'escalier à gauche. Le garçon grimpa les marches et disparut. Cela dura longtemps, longtemps. Enfin, il redescendit. Qui c'est? Demanda-t-il. Élise regarda l'image. Le garçon attendait patiemment. C'est moi, quand j'étais jeune, dit-elle en souriant timidement. J'étais invitée à un bal et j'avais mis ma plus belle robe. Cool, dit le garçon. Et il continua sa visite. Tu les as tous lus? Oui, dit Élise, je les ai tous lus. Tu m'en lis un? Demanda-t-il. Élise n'avait pas lu à voix haute depuis si longtemps. Le garçon voulait lire tout le livre. Ensuite, il voulut jouer. Et comme il avait faim, Élise lui prépara des tartines. Il faut peut-être que tu rentres chez toi maintenant, dit-elle. Elle avait l'air un peu triste. Le garçon demanda, comment tu t'appelles? Je m'appelle Élise, dit Élise. Et toi? Émile, dit le garçon. Au revoir, Élise, c'est très beau chez toi, dit-il. Et il partit en faisant un signe de la main. À bientôt, Émile, dit Élise. La nuit tombée, soudain, Élise eut une idée. Elle sut ce qu'elle allait faire. Et voilà, fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.